تعليق بعض الناس لأشياء يضع يعلق أشياء على البيوت على السيارات على الأولاد نعم le fait que des gens accrochent certaines choses sur de certaines sur des voitures par exemple ou sur les enfants يضع رأس ثور أو أسد أو حوت il met par exemple une tête de taureau ou de lion ou bien de poisson sur quelque chose نعم أو يضع مثلا أشياء تأخذ من البحر Ou bien il met certaines choses qui viennent de la mer, comme les coquillages par exemple. Ou bien des morceaux de cuir. Ou bien un œil. Ou bien une main. Un sabot de cheval. Ou bien une vieille chaussure. Ou un enjoliveur. Ou bien une vieille chaussure. Ou bien une vieille chaussure. Ou bien il écrit certaines choses. لماذا تضع هذه الأشياء؟ Pourquoi est-ce que tu mets cette chose-là? قال لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أسبابا لدفع العين. نقول هذا الشرك أصغر. Si sa réponse est c'est parce que Allah سبحانه وتعالى a fait de ces choses des causes pour le protéger contre l'عين par exemple, eh bien c'est du shirk asghar, c'est du petit shirk. وإذا قال هذه الأشياء هي بذاتها تدفع العين هذا الشرك أكبر. Et s'il dit que ces choses-là en elle-même, c'est elle qui le protège contre le l'ayn ou autre mot, eh bien, ça devient du grand shirk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une maison, il avait des enfants, il avait d'autres biens et il ne faisait pas ce genre de choses. Il accrochait pas des choses sur ces éléments. Qui nous protège? Ces choses-là? Non. الله سبحانه وتعالى. C'est Allah سبحانه وتعالى qui nous protège. هل الله سبحانه وتعالى جعلها أسباب لدفع العين؟ Est-ce que Allah سبحانه وتعالى a fait de ces choses des causes pour se protéger contre العين؟ لا أيضا. La réponse est toujours non. لكن. Mais. عندنا أسباب جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا لنا. Mais il y a certaines choses dont Allah سبحانه وتعالى en a fait des causes. أقرأ على بطن الفاتحة هذه رقية شرعية سبب شرعي. Par exemple, lire la sourate al-Fatiha sur le ventre si jamais on a mal au ventre. أو أشرب العسل سبب حسي محسوس دواء. Ou bien, par exemple, boire du miel. أما أن أضع العسل مثلا بجانبي وأنام بجانب العسل هذا لا سبب ولا شيء. نعم. والله أعلم. Mais si quelqu'un, par exemple, prend le miel et dort à côté en ayant la conviction que cela va être une cause de guérison, c'est une erreur.